Salut à tous, c'est Zéprion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo des meilleures armes lourdes à récupérer avant Final Shape. Alors cette vidéo devait sortir normalement lundi, mais j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire que le son a complètement buggé, donc j'ai dû refaire entièrement la vidéo. Donc forcément, je m'excuse du retard de cette vidéo. Bien, sans plus attendre, nous allons, comme je vous ai dit, nous attaquer aux armes lourdes et là, comparer aux autres types d'armes, je vais essayer de vous proposer un maximum d'armes par élément. Parce que généralement, quand on prend une arme lourde, forcément, c'est pour du DPS, donc nous utilisons une arme lourde adaptée à notre doctrine pour augmenter ses dégâts avec les surcharges. Donc forcément là je vais essayer dans la mesure du possible bien évidemment de vous présenter les meilleures armes par élément. Et encore une fois je ne détaillerai pas les perks à 100% parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Parce que là vraiment on va parler d'énormément d'armes dans cette vidéo puisque nous allons traiter la plupart des éléments. Bien maintenant que cela est dit nous allons nous attaquer à la première catégorie d'armes. Et j'ai décidé de commencer avec les lances roquettes. Pour les lances roquettes j'ai décidé de vous parler du meilleur lance roquette selon moi du jeu à l'heure actuelle. Et il s'agit du roquette prédateur du zénith. Le roquette que vous pouvez avoir dans le raid de Riven. Crafté de cette manière avec le tir brut, le cartouche à impact, le reconstruction et le publicité mensongère. Certes, publicité mensongère maintenant donne entre guillemets plus que 30% à la place de 35, mais ça reste quand même extrêmement puissant puisque nous avons reconstruction pour avoir deux roquettes dans le chargeur. Et si jamais vous ne voulez pas le craft de cette manière-là, vous pouvez parfaitement prendre ici à la place de publicité mensongère un bipied qui vous fait monter à 4 roquettes dans votre chargeur. Donc par exemple, pour dégager un champion, vous balancez 4 roquettes directement à la tronche du mob. Le champion avec ça, je peux vous dire, eh bien, il est enterré 6 pieds sous terre. Pour le second roquette, je vais vous parler du shot stasique et il s'agit du de glace. Le roquette que vous pouvez avoir dans le donjon fantôme des profondeurs. Alors oui forcément vu que c'est donjon fantôme des profondeurs c'est super chiant à farmer mais honnêtement ce roquette il en vaut vraiment la peine. Pour les deux premières colonnes ce sera pareil un tir de brut avec un cartouche à impact. Là évidemment un envie assassine pour pouvoir monter jusqu'à 3 ou 4 roquettes même des fois j'ai vu dans votre chargeur et soit vous avez comme moi un lumière explosif qui augmente vos dégâts de 25% à partir du moment où vous ramassez un orbe de puissance et vous pouvez le maxer jusqu'à 6 fois ou alors vous avez également le publicité mensongère qui sera réellement le meilleur rôle mais si vous avez comme moi un lumière explosive c'est déjà bien. Pour les roquettes cryoélectriques je vais vous parler du destruction de l'Apex 4. Ce rocket là, vous pouvez l'avoir en Wardoo, donc un petit peu partout, ou même en décryptant des engrammes. Alors, ce rocket là, c'est un petit peu compliqué de vous dire avec quel rôle aller chercher, mis à part dans les deux premières colonnes où le mieux c'est toujours le tir brut avec le cartouche à impact. Mais dans la troisième colonne, on peut avoir du reconstruction, du envie assassine ou du tir de glisse, donc trois excellentes perks. Donc, à partir du moment où déjà vous avez une de ces trois là, c'est quasiment déjà gagné. Même si je vous cache pas que reconstruction pour moi, ce serait toujours la meilleure, puisque ça permet de recharger en off et de pouvoir surcharger la taille du chargeur. Mais tir de glisse, vous tirez une roquette, vous glissez. Une roquette revient instantanément dans votre chargeur, ça peut être très fort également. Ou alors envie assassine pour pouvoir monter directement à 3 roquettes dans votre chargeur, donc vous allez au-delà des reconstructions. Et dans la troisième colonne, c'est pareil, vous avez de l'encerclement qui augmente vos dégâts de 40% et vous avez 3 ennemis dans vos 8 mètres. Donc c'est très circonstanciel, mais c'est très puissant et c'est même supérieur à publicité mensongère. Sinon, vous avez du classique lumière explosive qui augmente vos dégâts de 25%. Ou même pourquoi pas du bipied pour faire un reconstruction bipied comme le prédateur du zénith. Donc c'est pareil, ce roquette là a une multitude de bonnes perks. Donc je ne sais pas réellement quel goal roll vous conseiller. Moi personnellement, j'aime bien avoir reconstruction comme ici avec encerclement même si circonstanciel mais sinon je l'ai également avec lumière explosive reconstruction et bien forcément ça fait de lui le meilleur roquette cryolithrique du jeu. On enchaîne avec les roquettes fil obscur et je vais vous parler du sémiotycéen, le roquette que vous pouvez crafter et avoir en faisant des activités de la saison 22 donc hôtel de l'invocation ou encore flèche de Savatoun. Encore une fois pareil, tir brut, cartouche à impact, prêt pour le terrain ici pour augmenter vos réserves de munitions et augmenter son rechargement lorsque vous êtes accroupi et soit vous prenez du bipied ici pour pouvoir monter à 17 roquettes au total dans votre lance-roquette, ou alors vous avez du classique lumière explosive, encore une fois, pour buffer ses dégâts, là c'est à vous de voir. Et pour les roquettes abyssales, je vais vous parler de l'aigle prêcheur de Bretek, le roquette que vous pouvez avoir en nuit noire. Et pour moi, si je prends ce roquette-là, c'est parce que je trouve qu'il a vraiment un rôle très particulier, c'est celui que vous avez sous les yeux d'ailleurs, le envie assassine avec bipied. Grâce à ça, vous pouvez monter jusqu'à 7 roquettes dans votre chargeur. Donc tirez 7 roquettes à la suite à la tronche du même mob sans jamais recharger. C'est très fort pour dégager un champion, ou alors pour dégager vite une grosse cible, ou alors pour un burst DPS, mais sinon vous pouvez partir sur du classique envie assassine avec par exemple impression durable qui peut parfaitement faire le job aussi, mais c'est vrai qu'après au niveau des roquettes abyssales, eh bien on n'est pas réellement très bien fourni. Voilà, nous en avons terminé avec les lance-roquettes, nous allons maintenant passer aux mitrailleuses lourdes. Et pour la première mitrailleuse lourde, ce sera une mitrailleuse lourde abyssale et il s'agit de la commémoration, la batteuse que vous pouvez avoir dans le raid crypte de la pierre, avec le rôle que vous avez ci-dessous, le chargeur augmenté pour monter son chargeur à 72 balles, le reconstruction pour monter à 144 balles et le décompte meurtrier qui augmente ses dégâts de 10, 20 et 30% dès que vous faites 1, 2 ou 3 kills. Et tant que vous ne rechargez et que vous ne rangez pas l'arme, et bien le buff de décompte meurtrier ne se retire pas. Forcément, ça reste encore à l'heure actuelle la meilleure batteuse du jeu, même si vous avez le marteleur que vous pouvez avoir dans l'activité Into the Light qui lui fait concurrence, nous sommes d'accord. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le marteleur, mais je pense quand même que la commémoration est meilleure rien que pour son reconstruction. On enchaîne
Xanax qui est selon moi la meilleure batteuse cryoélectrique du jeu et il s'agit du Chandiryut. Pareil que vous craftez évidemment avec un chargeur augmenté pour monter à 70 balles, un reconstruction pour monter à 140 balles et après vous prenez soit une logique de l'épée comme ici pour faire du clean, c'est très fort, ou alors vous avez par exemple du publicité mensongère ou du verrouillage de cible qui peut être également très intéressant. Mais comme généralement une batteuse c'est plus pour du clean, eh bien vous prenez une logique de l'épée qui va permettre de pouvoir augmenter vos dégâts en fonction de l'ennemi que vous éliminez. Pour la batteuse stasique, nous allons parler de la raid de Quilim, qui est la batteuse que vous pouvez avoir dans le raid d'Oryx. Et cette batteuse, je la trouve, on va dire, inférieure aux autres. Vous pouvez quand même avoir un destat pour tous ici pour augmenter votre rechargement, stabilité, etc. À partir du moment où vous touchez 3 ennemis, également le décompte meurtrier qui augmente encore une fois vos dégâts de 10, 20 et 30% à partir du moment où vous éliminez 1, 2 ou 3 ennemis. Et tant que vous ne rechargez ou vous ne rangez pas l'arme, vous conservez le buff. Après, je vais pas vous mentir que cette batteuse est quand même inférieure aux autres, je vous encouragerai limite même pas à aller la chercher plus que ça. Pour le slot fil obscur, je vais vous parler du Mercato 45 que vous pouvez avoir en world loot, donc un petit peu partout ou alors en décryptant des engrammes, avec le rôle que j'ai ici, le démolisseur pour augmenter votre vitesse de recharge de grenade et l'agression dans la 4ème colonne pour augmenter sa cadence de tir à chaque fois que vous faites un kill jusqu'à arriver en stack x3 qui est de 37%. Donc là, vous avez quand même une batteuse relativement puissante en clean. Et pour finir, je vais vous parler de la batteuse solaire. Il s'agit du devoir inflexible, la batteuse que vous pouvez avoir dans le jugement d'Osiris avec soit un ambition assassine ici qui permet de pouvoir surcharger la taille du chargeur en fonction du nombre de frags que vous avez fait précédemment son rechargement, ou alors vous avez un subsistance qui vous remet 10% de votre chargeur à chaque fois que vous faites un kill, avec un décompte meurtrier évidemment dans la 4ème colonne qui encore une fois augmente ses dégâts en fonction du nombre de kills que vous avez fait et ne se retire qu'à partir du moment où vous rechargez ou vous rangez l'arme. On enchaîne maintenant avec les lance-grenades. Et pour le premier lance-grenade, je vais vous parler du passage du gouffre. Le lance-grenade que vous pouvez avoir dans l'activité agression de Into the Light. Avec le rôle que vous avez ci-dessous, le tir brut, le grenade à pointe, le envie assassine pour pouvoir augmenter votre taille de votre chargeur et du publicité mensongère pour monter vos dégâts de 30% à partir du moment où vous faites des dégâts avec toutes vos armes. Je sais qu'il peut également avoir des constructions, mais je pense que Envie Assassine, publicité mensongère est réellement le god roll à privilégier en priorité. On enchaîne notre slot fil obscur avec le Cataphractaire GL3, le lance-grenade que vous pouvez avoir dans le jugement d'Osiris, que vous pouvez avoir pareil normalement avec du tir brut ici, c'est le mieux, du grenade à pointe pour augmenter ses dégâts. Soit vous prenez pareil de l'envie assassine ici pour pouvoir augmenter sa taille de chargeur, soit vous prenez comme là du démolisseur pour recharger toutes vos patates dès que vous lancez une grenade, et pareil du publicité mensongère dans la 4ème colonne pour pouvoir augmenter ses dégâts de 30%, c'est le meilleur lance-grenade fil obscur du jeu de très loin. On enchaîne avec le lance-grenade cryoélectrique et il s'agit du Wendigo, le lance-grenade que vous pouviez avoir en nuit noire. Je crois que maintenant il est indisponible, mais avant c'était en nuit noire que vous pouviez l'avoir. Pour l'avoir en expert, il fallait le faire en GM avec encore une fois tir brut, grenade à pointe. Et ici vous aviez trois choix, soit vous prenez le holster de recharge automatique pour recharger votre arme en off, soit vous prenez le cartouche de clown à chaque fois que vous rechargez, vous allez avoir un petit peu plus de balles qui se remettent dans votre chargeur, soit vous prenez le envie assassine pour avoir plus de patates dans vos réserves. Et dans la 4ème colonne, bien évidemment, vous allez prendre le lumière explosive qui augmente ses dégâts en fonction du nombre d'orbes que vous avez ramassé. Pour les lance-grenades statiques, je vais vous orienter vers le Typhoon LG5, un lance-grenade que vous pouvez choper en world loot, donc un petit peu partout. Comme d'habitude, tir brut, grenade à pointe. Ici, vous allez avoir soit du stab pour tous, mais je vous conseille très largement plus le démolisseur avec un lumière explosive ici pour augmenter ses dégâts encore une fois en fonction des orbes que vous avez. Et démolisseur, vous balancez une grenade, toutes vos patates reviennent dans votre chargeur. C'est vraiment plutôt sympa. Et pour finir avec les lance-grenades solaires, je vais vous parler du Marzilon C, un lance-grenade pareil que vous pouvez choper en world loot, donc un petit peu partout. Les deux premières colonnes, on ne revient pas dessus. Et dans la 3ème colonne, vous pouvez avoir un joli envie assassine pour pouvoir augmenter la taille de votre chargeur avec un lumière explosive encore une fois pour ses dégâts. Donc vous avez un lance-grenade vraiment très correct, peu importe les surcharges et la doctrine que vous voulez utiliser. On passe maintenant aux épées. Et au niveau de la première épée que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de la guillotine actionnée, l'épée vortex abyssale que vous pouvez avoir dans l'activité agression de Into the Light. Avec très important la garde du grand maître qui augmente le taux de rechargement de vos attaques lourdes, avec soit un arbre pâle, soit frénésie dans la 3ème colonne, et avec soit un publicité mensongère qui sera le plus passe-partout, ou alors également un encerclement qui sera plus circonstanciel mais plus efficace que publicité mensongère vu que ça augmente vos dégâts de 40%. Pour l'épée stasique, nous allons parler de l'épée coup violent, l'épée que vous pouvez choper en une heure. Pour l'avoir en expert, encore une fois, il faut s'y diriger vers des GM. Dans la 2ème colonne, comme d'habitude, la garde du grand maître serait très clairement le mieux pour régénérer votre gros coup le plus rapidement possible, avec dans la 3ème colonne des frappes cadencées qui seraient le mieux pour générer des munitions dès que vous mettez 3 coups d'épée, et dans la 4ème colonne, vous prenez soit le publicité mensongère comme là pour augmenter vos dégâts, ou alors l'acide glacial pour pouvoir mettre un ralentissement et freeze une cible à partir du moment où vous mettez des coups d'épée. Pour l'épée cryoélectrique, je vais vous parler de la Legs, l'épée que vous pouvez avoir dans le raid Crypte de la Pierre, avec encore une fois la garde du grand maître, mais bon, je vais arrêter de le dire.
Dans la troisième colonne, vous allez prendre du frappe cadencée pour encore une fois générer des munitions. Et dans la quatrième colonne, du encerclement. Alors oui, ces genres d'épées sont très circonstancielles, mais par exemple sur Cropta, c'est celle qui fait le plus de dégâts, vu que les épées à armature adaptative ont des dégâts natifs plus puissants, par exemple qu'une épée vortex. Et pour finir, au niveau de l'épée solaire, encore une fois, je vais vous parler du bienfaiteur. Ça va tout simplement être une legs 2.0, c'est-à-dire garde du grand maître, frappe cadencée et encerclement. Encore une fois, ce sera très circonstanciel, mais sur Cropta, si vous n'avez pas la legs, vous pouvez parfaitement partir sur cette épée-là, elle fera parfaitement le taf, si jamais bien évidemment. Encerclement proc. Nous ne parlerons malheureusement pas d'épée fil obscur parce qu'il y en a que deux et les deux sont vraiment nuls. Donc, vraiment, si vous jouez en fil obscur, je vais vous dire très clairement, ne prenez pas d'épée, ce sont vraiment deux épées assez mauvaises. Et pour terminer cette vidéo, nous allons parler du dernier archétype d'arme lourde qui nous reste à parler et il s'agit des fusils à fusion linéaire. Et nous allons bien évidemment commencer par le meilleur fusil à fusion linéaire du jeu, le cataclysmique, que vous pouvez avoir dans le raid Serment du Disciple. Avec par exemple un frein tête de flèche pour augmenter votre contrôle du recul, quelque chose pour augmenter la taille de vos chargeurs et monter à 6 balles comme la batterie ionisée. Le quatrième, c'est la bonne qui, à partir du moment où vous faites 4 tirs de précision, va vous redonner 2 balles dans votre chargeur. Et là, bien évidemment, à la place du fureur concentré, vous prenez le publicité mensongère qui augmente vos dégâts de 30%. Et là, vous avez tout simplement le meilleur fusil à fusion linéaire du jeu en légendaire. Pour le saut abyssal, nous allons parler du pétitionnaire condamné, le fusil à fusion linéaire que vous pouvez avoir dans la saison 23 et dans l'activité Spire par exemple. Et que d'ailleurs, vous pouvez crafter avec les peurs que vous avez ci-dessous. Le frein tête de flèche, encore une fois, pour pouvoir augmenter votre contrôle du recul, la batterie ionisée pour pouvoir augmenter votre taille de chargeur et monter à 6 balles, la reconstruction pour pouvoir les doubler et monter à 12 balles, et soit vous prenez le passe-partout, le instrument de précision qui va augmenter vos dégâts en fonction du nombre de tirs de pression que vous faites jusqu'à arriver à stack x6. Donc vu que c'est un fusil à fusion linéaire qui tire en rafale de 3, au bout de 2 rafales, vous pouvez arriver au stack maximum d'instruments de précision amélioré qui est de 30%. Ou alors vous pouvez également partir sur de l'encerclement qui est très circonstanciel mais qui augmente vos dégâts de 47% vu que c'est une perk améliorée. Donc là vraiment, je vous conseillerais de prendre les deux, un avec instrument de précision et un avec encerclement. Pour le slot cryo-électrique, nous allons parler du chasse-tempête, le fusil à fusion linéaire que vous pouvez avoir dans le donjon dualité. Avec un rôle très intéressant comme la batterie ionisé ici pour encore une fois augmenter votre taille de chargeur, le cartouche de clown ou le holster de recharge auto dans la troisième colonne qui permet soit de recharger votre arme en off, soit à partir du moment où vous rechargez cette arme, vous allez avoir un surplus dans votre chargeur qui est complètement aléatoire, mais vous pouvez monter jusqu'à 9 balles dans votre chargeur. Et avec, si vous êtes en solo, un frénésie qui augmente vos dégâts de 15%, ou alors si vous êtes à plusieurs, un peloton, à partir du moment où vous avez vos deux potes à côté de vous, vous augmentez vos dégâts de 20%. Et pour finir avec les fusils à fusion linéaire, nous allons parler du slot statique avec le tir et oubli. Ce fusil à fusion linéaire là, vous pouvez l'avoir durant la saison 19, donc actuellement si vous voulez l'avoir, il faut attendre que la mission soit opération bouclier de Seraph pour pouvoir avoir une chance de le choper et de l'avoir en encadré rouge. Bien, maintenant que cela est dit, nous allons bien évidemment nous regarder pourquoi je vous propose ce fusil à fusion linéaire là. Tout simplement déjà parce que c'est une armature d'attaque donc qui tire avec une rafale de 3 comme le chasse-tempête et les pétitionnaires condamnés. Et vous prenez comme d'habitude la batterie ionisée ici, le prêt pour le terrain pour augmenter votre rechargement et également votre nombre de balles en réserve, et le frénésie pour augmenter vos dégâts de 15%. Et en plus ça, vous avez l'intrinsèque d'art de veste qui permet de pouvoir redonner quelques balles dans votre chargeur. Alors ce n'est plus aussi fort qu'avant, mais c'est toujours quand même très sympathique et ça permet quand même de pouvoir continuer à faire un DPS alors que normalement vous auriez dû recharger. Nous n'en parlerons toujours pas de fusil à fusion linéaire fil obscur parce qu'il n'y en a qu'un seul et en plus de ça, il est vraiment nul. Voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo. Nous avons passé en revue donc tous les archétypes d'armes qu'il y a actuellement dans le jeu. Donc maintenant, vous savez ce qu'il faut aller chercher en priorité pour pouvoir absolument tout défoncer à Final Shape. Et donc sur ce, moi je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Zéprion. Allez, ciao!